Allez, salut tout le monde, bienvenue dans la Cubitim, nouvelle vidéo sur le Horizon Chase Turbo. C'est l'occasion de revenir sur le monde numéro 7, donc on continue les Émirats Arabes. Et figurez-vous que ce coup-ci, on part du côté de Dubaï, avec donc trois niveaux. Bon, pour l'instant, il y en a un qui est verrouillé, mais il y a abondance que j'avais déjà tenté. Qu'on va pouvoir essayer de valider en super trophée, c'est un peu le but. Pour ça, on choisit une caisse et je vais prendre la Westbound, tiens, voilà. Avec une petite couleur bien sympa. C'est mort pour les pièces, donc je préfère recommencer directement et puis on va se retenter ça. Ça devrait passer, je pense. Des fois les virages c'est un peu serré, les bagnoles c'est plutôt chaud de les dépasser. Et bientôt la première place, ça devrait rouler. Faut que je fasse gaffe aussi à l'essence, c'est quand même super tendu. Il n'y a plus qu'un tour, normalement sur le plein c'est bon. Voilà, ça c'est fait, super trophée. Bon, niveau essence, c'est quasiment parfait. En plus, j'avais même pas fait gaffe, j'étais presque à 10. Donc voilà, on va pouvoir continuer cette partie de Dubaï avec les mille et une nuits. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il me semble qu'il est un peu moins dur celui-là au niveau circuit. Par contre, il est long parce qu'il y a 5 tours. Ça devrait nous laisser pas mal de choix pour avoir toutes les pièces. Donc c'est tendu, il y a vraiment beaucoup de pièces, je pense qu'il faut vraiment au moins 3 tours je dirais, plus pas mal de turbo, donc il y a vraiment de quoi se faire
une bonne panne d'essence, en fait, c'est un peu le piège du circuit, je pense. Ouais, bon, clairement, comme je m'y attendais, c'est le piège du circuit, c'est les turbos. Vous voyez, j'ai 4 turbos encore et très très peu d'essence. Donc il reste plus d'un tour et quand même pas mal de concurrents devant. Ça va être très très tendu. Allez, on y croit, je pense que ça va le faire. Yes, voilà pour les pièces, c'est sûr que c'est validé. Maintenant, il faut le petit détail final, c'est qu'il nous faudrait la première place. Et encore 4 turbos, il faudrait que... Ouais, je vais vider le réservoir. Ouais, je le tente. Au final, c'est passé. Alors, c'est pas passé trop largement parce que, comme on peut le voir ici, il reste que 2 petites portions. Mais bon, ça suffit pour valider le tout. On va se retrouver sur une prochaine vidéo pour continuer et puis conclure les Émirats Arabes, donc avec une dernière course. Ah bah tiens, j'ai déverrouillé Hong Kong aussi. Donc c'est probablement un des prochains mondes à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Bah, entraînez-vous bien pour la suite et puis nous je vous dis qu'on se retrouve très très vite pour enchaîner avec la fin des Émirats.